Et bonjour à tous. Ça, c'est un mur en bouteille, et ça, ce sont les bouteilles, qui sont des déchets valorisables. Transformer des bouteilles en murs, c'est plutôt cool, mais d'abord, vous devez les découper. Avant tout, enlevez les étiquettes, vous n'avez pas le choix, sinon la suite ne fonctionne pas. Ce coupe-bouteille manuel s'achète sur Internet. Pour l'utiliser, posez la bouteille dessus et tournez en appuyant fermement, mais pas trop. Essayez d'appuyer avec constance et en pratiquant, bien entendu, on acquiert le geste. Ensuite, chauffez la bouteille. Plusieurs méthodes, le chalumeau d'abord. Et une fois que c'est assez chaud, on refroidit la bouteille. Eau froide, c'est très bien. Le chalumeau, c'est la solution rapide, mais peu fiable. Vous allez voir pourquoi. Les bouteilles ont tendance à casser de travers. Une méthode plus douce, mais plus longue, c'est d'alterner entre eau chaude et eau froide. Ça vous permet d'éviter la casse un petit peu plus, mais c'est encore plus long. Autre méthode, plus chère et bruyante, mais infiniment plus productive, la scie à carrelage électrique. On a trouvé la nôtre sur le Bon Coin pour 70 euros, et une bouteille est coupée en 15 secondes à peu près, contre plusieurs minutes pour les autres méthodes, avec en plus le risque de casse. Il n'y a pas photo entre toutes ces méthodes. La dernière étape consiste à scotcher ensemble les bouteilles pour en faire des sortes de briques que vous allez pouvoir disposer comme la vidéo le montre. Et j'ai pas grand-chose à vous dire de plus que bonne expérimentation à vous. Ciao ciao!